Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Evie Maaz qui a gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Evie. Bonjour Coralie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Eh bien, écoute, je suis ravie d'être en ta compagnie Moi et aussi. je vais être très bien à ce moment présent. Bah, j'espère bien, j'espère bien. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si Allons-y. tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Alors écoute, quand j'étais petite, petite, non, bien évidemment. J'aimais écrire comme ça de temps en temps. Et puis à l'âge de 15 ans, comme je lisais quand même beaucoup, je me suis essayée à un concours proposé par Françoise Iffin, qui nous demandait d'écrire une histoire d'amour. D'accord. Alors je me suis exécutée et puis j'ai perdu. Oh. Mais ça a été pour moi quand même une victoire parce que j'ai écrit mon premier petit bouquin, quoi. Et D'accord. ouais, moi aimant la lecture, la Ouais. littérature, forcément ça m'a amené à ça. Donc oui, la réponse est oui. D'accord, oui, Pour en être fait, plus concise. ça a été une révélation, en fait. Oui, je pense. Je D'accord. pense parce qu'après j'ai continué, tu vois, pour mes amis, mes copines, ma famille. Oui. Et puis oui, je crois que ça a commencé là, ouais. Donc Même s'il y a eu des périodes d'abandon, oui. ça a commencé vers l'âge de 15 ans. D'accord, donc en fait, c'est ça qui t'a donné envie d'écrire des livres. Alors, je ne sais pas. C'est ça qui m'a donné l'envie. En Oui. tous les cas, j'ai continué. Donc, probablement. D'accord, ok. Probablement. Sur quel sujet tu as commencé à écrire et pourquoi? Alors, sur quel sujet j'ai écrit sur un vécu, Oui. un drame personnel. D'accord. Voilà. Parce que je sentais que ça serait un exutoire. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Ouais, tu pressentais que quelque part, ton autothérapie, ça passerait par l'écriture. C'est exactement ça. Et ça a D'accord. été le cas, mais on en parlera plus tard. Mais oui, il fallait que je. Alors pour le coup, je vais utiliser une expression que tout le monde utilise, hein. Il fallait que je couche des mots pour soigner mes maux. Voilà, tout simplement. Oui, je Pas comprends. très original, hein, Non, mais mais c'était c'est important. exactement ça. Exactement ça. J'en avais besoin, besoin. Ok. Pour toi, être écrivain, écrire, c'est un métier ou bien c'est une passion que tu as envie de partager avec les lecteurs? Alors là, sans hésitation, une passion Oui. que j'ai envie de déléguer à mes lecteurs et de leur offrir cette passion. Voilà, tout simplement. C'est pas un métier pour moi. Je me considère pas comme écrivain, Mmh. auteur inconnu, si tu veux. Oui, mais bon. Ouais, ça se discute, hein. Mais bon, oui, c'est plutôt d'abord une passion que j'ai en moi. Qui ne me quitte pas. J'espère qu'elle ne me quittera pas. Et c'est surtout pour offrir ça à mes lecteurs. D'accord. Tu sais, moi, je pense que tout le monde peut écrire, mais très peu ont réellement du talent. Et je pense que tu fais partie de ces gens qui ont du talent. Merci. Mais moi, je pense que tout le monde peut écrire. Et que tout le monde peut avoir du talent. Jouer avec les mots. C'est vrai. C'est C'est ça. vrai. Et puis aussi l'envie et la passion. Si tout le monde peut écrire, mais s'il n'a pas la passion, s'il n'a pas la patience également, il faut de la patience. Il faut trouver le mot, le bon mot, Voilà. adéquat, tu vois. Donc, oui, je suis écrivain. Oui, Allez, je pense on aussi peut dire ça. une certaine que tu es une écrivain. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Ah oui, beaucoup. Oui.
Allez, je Beaucoup, t'écoute. beaucoup. Alors écoute, ça va passer banalement par la lecture. Oui. Hein? Oui, voilà. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont donné l'envie. Oui. Bah, tout ce qui touche à la littérature, hein, la philosophie. Et puis on va passer à un sujet complètement différent. Oui. Chiné. Ah oui. T'aimes bien Chiné. chiner. D'accord. J'adore chiner, j'adore trouver de vieux meubles Ouais, comment ça? qui n'ont plus de vie en fait. Et dans la rue, sur des brocantes, travailler sur des brocantes et tout. Et alors, les refaire complètement à mon goût, pas forcément dans l'état où ils étaient avant. Et alors là, c'est une grande satisfaction personnelle aussi, Oui. c'est de voir encore un ouvrage qui n'est pas un livre terminé par mes soins. D'accord. D'ailleurs, chez moi, c'est beaucoup comme ça. Ah, mais moi j'adore. Moi j'aimerais avoir le J'adore. le talent. Bah, désolé, mais on en revient toujours au même parce que tu sais, prendre un vieux meuble et puis le transformer, c'est faut avoir un certain talent parce que moi j'en suis incapable. Je te le dis, j'ai essayé, hein. Ouais. Non, 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 non. Aujourd'hui, J'adore ça. il y a des gens qui savent faire. Tu sais, ma grand-mère Alors, disait. je sais faire. Oui, voilà, tu sais Je faire. sais faire et plutôt pas trop mal parce que vu de ce qu'on m'a dit, bon, voilà. Et ça c'est vraiment une très grosse passion. Oui, Oui. je le sens. Je sens que c'est quelque chose. Parce que c'est très gratifiant. Autant que l'écriture. Tu vois, D'accord. ce sont deux choses tellement paradoxales Oui. et en même temps qui me procurent la même joie intense. On peut dire ça comme ça, tu vois. Oui. À la fin, voilà, c'est gratifiant, ça me nourrit, ça me nourrit. D'accord, ça te nourrit intérieurement, c'est bien, c'est Tout bien. à fait, tout à fait. Pour toi, quels vont être les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain ou plus, on va dire, explicitement de l'écriture? De l'écriture. Alors, écoute, l'écriture, pour moi, c'est du bonheur à l'état pur. Oui. On va pas se mentir. Bah, comme je te le disais, c'est chercher le bon mot ou les bons mots à tel endroit. Mon imagination aussi. Quoi te dire d'autre? Je sais pas. Être dans ma bulle, peut-être. Oui, ben ça, je pense que moi, c'est pareil. Je suis dans ma, quand Comme j'ai. tu connais ma bulle, Oui, hein, voilà, tout et à comme fait. je connais la tienne, voilà, c'est ouais, c'est ça. L'écriture, c'est ça. C'est être avec soi-même D'accord. et OK. uniquement pour soi. Et comme nous en avions parlé un certain jour, parfois être égoïste, c'est pas si mauvais que ça. Alors, ça rejoint un peu ça, tu vois. Écrire, c'est être seul avec soi-même, dans sa bulle, et se retrouver. Se retrouver, ça fait un bien immense. Oui, Ouais. À mon sens. je le partage, je partage ton avis. Là, j'aurais trois questions en une. J'aimerais savoir où Vas-y. tu écris, à quel moment Oui. ça tournait et combien de temps tu passes à l'écriture? Ah. Alors, j'écris essentiellement là où tu me vois, Oui. dans mon salon, salle à manger. Oui. Pourquoi, je ne sais pas. Sûrement parce que j'ai commencé à écrire là et puis dans ma chambre, près de ma D'accord. bibliothèque, voilà. Okay. Donc des endroits où tu te sens bien, quoi. Alors oui, très concrètement, oui. Des endroits où je me sens bien apaisée, à l'écart, un petit peu à l'écart, voilà. Mais essentiellement, là. D'accord. Ok. Tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? Ah, grande question. Dans l'absolu, sur papier. Et L'absolu. c'est comme ça que j'ai écrit mon premier ouvrage, Oui. sur papier. D'accord. Sauf que, alors bien sûr, écrire, c'est génial. Mais l'ordinateur, c'est encore plus génial. Parce que ça va plus vite, c'est mieux. Néanmoins, j'écris sur ordinateur à présent. Mais toutes les 40-50 pages, j'imprime. Et je D'accord. ne peux pas m'empêcher, tu vois, de reprendre à l'écriture.
manuel. D'accord, ok. Voilà, je procède comme ça. Mais l'ordinateur est un outil formidable, n'est-ce pas? Oui, bah oui, sinon on ne serait pas là en ce moment. Voilà, c'est pour ça. Alors, j'aimerais que tu me parles de ton livre maintenant. J'aimerais connaître son titre et savoir quand est-ce que tu l'as publié. Alors, il s'appelle Box 7. OK. Et il a été, je l'ai écrit il y a maintenant 5 ans, 4 ans, et j'ai attendu 2 ans. Il a été publié le 20 mars 2020, Le 20 en mars, pleine pandémie. en pleine pandémie, youpi! Oui, c'était formidable. Confinement, c'était merveilleux. Oui. Alors, super. Pardon, 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 sincèrement. Je crois que je ne suis pas la seule. Non, 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 je crois qu'on a été, on a vu beaucoup d'auteurs, malheureusement, Oui. arriver, voir leur publication arriver en même temps que la pandémie. Je crois que ça a pris tout le monde un peu de court et donc, Oui, bien sûr. une année blanche. Donc, en fait, non, ton livre, il a été écrit il n'y a pas très longtemps et hop, ça y est, voilà, il y a l'année blanche, elle n'a pas existé et il arrive maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Box On va 7 dire ça comme vient ça. d'arriver, donc surtout, achetez-le. Achetez-le. Voilà. Je le conseille vivement. Ben justement, j'aimerais Parce bien. que ce n'est pas qu'un drame. Il Oui. y a de l'espoir et il y a de l'espoir. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Écoute, ce livre, je l'ai écrit un peu à la demande de mon fils, hein, Oui. sans que vraiment la demande soit explicite. Je lisais un peu dans ses yeux beaucoup de questionnements. Et j'ai pris la décision un soir de reprendre tous mes écrits parce que pendant ce drame, je lui avais écrit tous les jours. Voilà, D'accord. je lui ai écrit tous les jours. Donc un soir, j'ai repris tous mes écrits et j'ai passé la nuit à les relire. Ce qui n'a pas été chose facile, crois-moi. Néanmoins, je l'ai fait. Et puis, je me suis dit, il faut le faire. Il faut le faire pour moi, pour lui, pour nous, pour la vie, pour la Renaissance, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, quels qu'ils soient. Alors j'ai commencé à écrire cette nuit-là. Et puis au fur et à mesure, tout me revenait en tête tellement, mais naturellement, comme c'était passé la veille, tu vois. Alors que ça faisait déjà 7 ans. Et j'ai lâché mes notes et j'ai commencé à écrire. D'accord. Une mère dans la tourmente qui écrit et qui se délivre et qui veut aussi délivrer mes proches, ses proches, quoi. D'accord. Donc en fait, tu es parti d'une histoire vécue et tu l'as un peu plus romancée? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne l'ai pas romancé. Oui. J'ai vraiment. C'est peut-être pour ça que c'est un peu parfois redondant, je l'avoue. Néanmoins, non, ce sont des moments vécus et pas du tout, il y a rien d'inventé, c'est exactement ce que nous avons, ce que j'ai, ce qu'il a, ce que nous avons vécu ensemble. Oui. Et voilà. Donc, J'ai pas romancé du tout. d'accord, Voilà. donc vraiment rester collé au fait, quoi. C'est Exactement. d'accord, ok. C'est un récit Oui. sur 11 jours. Voilà. Donc il y a le jour 1, le jour 2, le jour 3, jusqu'au 11e jour. Et voilà. J'en Ok. dis pas plus. Normalement, je devrais demander si tu as un livre préféré, mais je sais, mon petit doigt m'a dit que tu étais en cours d'écriture. Donc, je voulais Oui. savoir si entre ce que tu es en train d'écrire et Box 7, si entre ces deux livres, tu en as un qui est plus un coup de cœur pour toi que l'autre. Ou si c'est ces deux, disons que tu les aimes tous les deux, mais de manière différente. C'est très difficile parce que leur box 7, ça a été une nécessité, un lieu de guérison. Le prochain est un roman. Oui.
complètement différent. Néanmoins, fan de Damien Saez, je ne sais pas écrire dans la bonne humeur. Donc, il y a toujours une part de noir. Mon âme est noire. Non, je rigole, mais oui, non, je ne peux pas choisir. Il y en a un qui a été écrit avec mes tripes, très rapidement, en 2, 3 mois. Et un autre sur lequel je fais des corrections, où j'y reviens, je corrige, n'est-ce pas, Coralie? Et ce sont deux sujets différents, mais je crois que j'aime vraiment les deux. Parce que aussi dans ce roman, tout n'est pas fictif. Donc il y a aussi une petite part, tu vois, de moi, de nous, de maman qui est partie et qui m'a laissé un vide incroyable. Vraiment, c'est voilà. Donc voilà, c'est un peu aussi pour ça. Mais je peux pas choisir. Box 7, c'est une délivrance. Ça m'a fait un bien mais immense. Même si on guérit jamais. Et celui-là, il y a de la joie, il y a de la peine, mais je l'aime. Hein. Oui. J'aime mes protagonistes. Si tu veux, dans le premier, je pouvais pas vraiment aimer les protagonistes. Parce que c'est triste, parce que les protagonistes, bah, c'est moi, c'est mon ex-époux, c'est ma fille, c'est des amis, c'est la famille. Là, mes protagonistes dans ce roman, je les aime. Ils me manquent. Quand je n'écris pas pour maintes et maintes raisons, ils me manquent. J'ai besoin de me retrouver avec eux. Ouais, tu les as fabriqués. Ça Pas vient. complètement. Oui, mais tu vois, tu sais ce que je veux dire, c'est Je les ai façonnés. voilà, tu les as façonnés Oui. comme des meubles. C'est ça. Voilà, tu vois, Exactement. j'ai trouvé le rapprochement. Mais oui. Bravo, Coralie. C'est rien, tiens. J'aime beaucoup discuter avec toi. Oui, moi aussi. Concernant ton roman, où trouves-tu ton Oui. inspiration? Ah, alors, écoute, c'est très simple. Dans la rue, parfois. Dans mon vécu, bien évidemment. On va pas mentir, dans certains livres que j'ai lus, alors c'est pas du copier-coller, c'est pas tout ce que tu veux, mais ce sont des idées que je reprends à ma sauce. Et puis bon, l'imagination. Ah, et puis oui, non, j'oublie. Je vais le dire de nouveau. Trouver les bons mots, le bon mot, tu vois, et le placer au bon endroit. Ça, c'est, voilà, c'est ça. C'est ça mon inspiration. D'accord, ouais, C'est la mais en question? Oui, non, mais c'était tout à fait ça. Mais en fait, tu vois, pour les livres, je suis d'accord avec toi. Bon, il y a des fois, je lis un bouquin et je me dis, hé, j'ai ça, c'est pas bête. Et donc, je prends mon petit carnet, puis je note, je le laisse dans un coin, Ouais. tu sais. Après, je me dis, tiens, je le retravaillerai plus tard. Mais ça, ce sont des choses, c'est pas du copier-coller, c'est juste qu'à un moment donné, Mais on je trouve crois qu'en... une inspiration dans nos confrères, quelque part. Parce que peut-être que quelque part dans un coin de notre tête, nous avons ça, mais nous n'y avions pas pensé tout simplement. Voilà, exactement, c'est tout à Et fait ça. de lire ce bouquin ou d'entendre parler d'un bouquin, et on se dit, mais oui, mais ça, j'aime aussi faire ça. Tu C'est tout vois? à fait ça, c'est exactement ça. Donc, moi, non, je trouve que c'est pas du copier-coller, c'est qu'à un moment donné, bon, ben, on arrive à trouver l'inspiration chez nos confrères. Exactement. Et merci à eux. Ah oui, merci à eux. Et peut-être que nous-mêmes donnons de l'inspiration à d'autres. J'espère, J'en j'espère. serais flattée. Oui, moi aussi, moi aussi. J'imagine. Je voulais savoir, c'est une question un peu plus technique. Donc, Oui. si, je voulais savoir si quand tu écris, tu improvises au fil de l'histoire ou bien si tu connais à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre pour aller jusqu'au bout de ton livre. Alors, pour parler du premier, évidemment qu'il y avait une ligne à suivre, hein, c'était écrit d'avance. Pour le second, oui, aussi, j'ai cette ligne directive. Néanmoins, je remanie tout le temps, tu vois, donc j'ai cette ligne, je connais même la fin, tu vois.
parce que j'ai fait des plans, parce que j'ai fait des recherches. C'est un roman, pour en dire que quelques mots, qui va se situer entre deux époques et deux pays. D'accord. Ah Donc, oui. il a fallu que je fasse des recherches pour ne pas me planter, pour ne Oui. pas décevoir, et pour que ce soit construit. Enfin, donc, ouais, je garde cette ligne, mais je remanie sans cesse, quoi. J'y reviens, j'y retourne, en gardant néanmoins cette petite ligne. Donc, on peut dire que je suis un peu sur le fil. C'est un peu sur le fil. Oui, en fait, là, tu es en train d'écrire une petite histoire dans la grande histoire. C'est ça, exactement. D'accord. Exactement, Coralie. Ah ben, Merci. très intéressant. franchement, ça a l'air très intéressant. J'aime beaucoup quand on change comme ça d'époque, de pays ou Et de entre narrateur aussi, c'est narrateurs. vraiment, enfin, oui, c'est Ouais. vraiment, J'aime ouais. beaucoup ce genre de livre. Donc, je me ferai un plaisir dès que tu auras fini de corriger, de rata-corriger, de pouvoir le lire. Ah, bah, écoute, avec grand plaisir, ça me fait. Merci de Vraiment. ta grande bonté, Coralie. Ah non, 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 sincèrement, là, je suis très Non, sincère. je rigole. J'ai Je vraiment. souris, mais ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis. Ben non, mais Parce tu que moi aussi, j'aime beaucoup parler avec toi. vois. Ben, tu vois, comme quoi, on est bien ensemble. On est bien ensemble. Comment t'es venue l'idée d'être publiée? Au départ, je ne voulais pas être publiée. D'accord. Je voulais juste écrire pour guérir. Et Oui. puis, des gens m'ont lu, des proches, à commencer par ma fille, par une amie qui a écrit des synopsis. Ils m'ont dit, OK, ça te guérit, mais tu ne crois pas que si tu étais publié, ça te guérirait encore mieux, encore plus, que tu avancerais plus dans la vie, et que peut-être tu pourrais, non pas tourner la page, mais accepter, enfin, accepter et avancer. Parce que si j'avance pas, plus personne n'avance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui l'ai écrit. Je suis la maman. Donc, il faut que j'avance. Sinon, je les laisse derrière moi. Et eux, il faut qu'ils avancent aussi et qu'ils me tirent parce que c'est ce qu'ils font pour que j'avance. Donc, c'est un échange de bons procédés et d'amour filial incroyable. Et oui, donc. J'ai perdu le fil parce que comme je parle beaucoup. J'adore. Je voulais savoir d'où était venue l'idée d'être publiée. Donc, de tes amis. Ah oui, alors voilà, c'était parce que beaucoup de gens m'ont dit, écoute, si tu étais publié, peut-être que cet exutoire serait, si ce livre est lu, ne serait-ce que par une ou deux personnes, ne crois-tu pas que la guérison serait plus grande? Oui. Et j'ai dit oui. Bien évidemment, bien évidemment. C'est Quelle de le livrer, de livrer mon bébé au monde qui veut bien accepter ce bébé. Bien sûr, c'est une guérison supplémentaire. Voilà pourquoi. D'accord. Tu sais, je pense que accepter aussi de te livrer aux autres, en général, je pense que ça fait vraiment partie de la guérison parce que c'est à ce moment-là qu'on laisse tout derrière. Que tout ce qui est là, en fait, on le lâche et pouf, en fait, ça reste derrière nous. Ouais, Et c'est ça, sauf qu'on ne peut pas vraiment, si tu veux, on n'en sort jamais indemne. oui, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais si tu Mais on peut vivre avec. peux vivre avec après. Et enfin, on ne voit plus les choses de la même manière, plus du tout. Tout est apaisé. Les stigmates qu'on peut voir ont complètement disparu. Je me comprends, il faut lire le livre. Oui. Voilà, on vit mieux, on vit mieux, on avance, On avance. et voilà, il faut avancer dans la vie, hein, c'est pas, rien n'est inéluctable, hein. Non. Et la Donc vie, voilà, donc il faut en profiter. Donc c'est pas avec des c'est casseroles ça, qu'on peut y arriver. exactement, et c'est pas entraînant, ouais, tu as raison, pas entraînant ces casseroles, bien sûr qu'on y pense, mais on n'y pense plus de la même manière, Du tout, du tout. la souffrance est moindre, vois-tu? Voilà, exactement, exactement. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié? Alors, non, carrément pas. D'accord. D'abord, livrer ce bébé, ça a été très difficile.
t'imagines? Et puis alors, trouver un éditeur. Ah ouais? Parcours du combattant. Ah oui, on trouve, hein. 3 000 euros, 5 000 euros. Oui, on trouve, on trouve, on trouve. C'est extrêmement Alors, cher. ça a mis 2 ans. Tu vois, j'ai déposé mon bouquin à la SDGL 2 ans avant et 2 ans après, j'ai été contactée. Voilà. D'accord, ok. Par Nombre 7 édition. Par nombre 7 éditions. Par D'accord. d'autres aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu as eu plusieurs propositions. Oui, d'un coup, bizarrement, j'en avais très peu ou des assez frauduleuses. Et d'un coup, quand je me suis remis à chercher au nom de maman, Oui. juste après sa mort, c'est tombé comme par miracle. Ah oui, c'est tombé du ciel. Je crois. Je crois. Moi aussi. Et toi aussi, Oui. ouais, c'est tombé du ciel. Et voilà, j'ai eu une personne plus que charmante et intéressante et fabuleuse au téléphone qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer chez Nombre 7 édition. Bon, c'est super, je suis contente pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu Box 7? Ah, alors, Je sais que l'histoire est assez. d'abord, l'étonnement. Étonnement, ouais. Non, non, je mens. D'abord, porter ce carton immensément lourd que le livreur m'avait laissé en bas. Et je galérais. Bah, tu Non, m'étonnes. je plaisante, mais oui, voilà, ça a été ça. Ouh. Après, bon, évidemment, j'ai ouvert. Bah, les larmes ont coulé, hein. Les larmes ont coulé doucement, gentiment, mais les larmes ont coulé. J'ai été surprise que Ouais. ce soit moi qui ai pu écrire ce bouquin. Tu vois, beaucoup d'étonnement, puis après la joie, l'explosion, du bien-être, Suis la contente. sérénité. La sérénité. Ouais, voilà, c'est ça. Je te comprends, j'ai ressenti la même chose. J'ai ressenti la même chose. C'est ça qui est dingue, c'est que les auteurs que je peux rencontrer et toi et moi, on a tous en fait ce même ressenti quand le premier arrive. C'est une espèce de victoire en fait sur nous-mêmes. J'ai vraiment cette impression. C'est exactement ça. Exactement ça. Tu sais, parfois, on est dénigré. Souvent. Et puis, nous-mêmes ne croyons pas toujours en nous. Alors là, de voir ça, ce carton rempli de ton œuvre, ton manuscrit, qui n'est plus un tapuscrit, mais un manuscrit, Inscrit, te oui. dit, ah ouais, je l'ai fait. Et ouais, Voilà. je suis fière. Tu Ouais, vois? bah oui, tu peux être fière. Et justement, qu'est-ce qu'en pense ton entourage? Est-ce qu'ils te suivent, se soutiennent dans ta passion? Oui, Oui. énormément. Oui. Ils me soutiennent dans ma passion. Ils ont été d'une fierté incroyable. Ils le sont encore. Alors que moi, je suis déjà passée à autre chose. Et ils attendent vivement que mon roman sorte. D'accord. Voilà. S'il sort, s'il sort. Il sort, mais c'est vrai que pour venir à la question suivante, donc je sais que tu continues à écrire, et donc Oui. tu penses le publier, l'autre, celui que tu écris? Eh bien, écoute, je me pose tous les jours la question, Oui. mais j'en ai très envie. D'accord, donc Après, tu sais, moi, je suis toujours entre deux eaux, alors je me pose la question, mais j'en ai envie. La folie ne se guérit pas toujours, tu sais. Voilà, donc, j'en ai très envie, voilà, c'est la réponse que je te donnerai. Oui, d'accord. j'en ai très envie parce que, encore une fois, ça a été un travail de recherche énorme. Bah oui. Et puis parce que je me tue à le corriger et à le recorriger, et je vais encore le corriger parce que je reviens au début, je repasse à la fin, parce que je cherche la perfection que je n'atteindrai jamais, mais je la recherche. Donc, oui, être publié, oui, Coralie. D'accord. Tu me l'as fait sortir, tu vois, je ne le savais pas réellement. Et grâce à toi, oui, je peux le dire. Oui, j'en ai très envie. Bah, j'espère bien parce que je veux le lire. Tu le liras, quoi qu'il advienne.
je veux absolument le lire. Bon, on va arriver à la fin de cette jolie rencontre. Émilie, je suis super émue et très heureuse d'avoir pu échanger avec toi. Je voudrais Moi, Coralie. un dernier mot à dire à nos lecteurs. Un dernier mot. Eh bien, écoute, aux lecteurs, je leur dirais que Box 7 n'est pas que sombre, qu'il y a beaucoup d'espérance. Donc, achetez-le. Et puis, le mot final, ce sera de te remercier, toi, profondément du fond du cœur, de ta bienveillance, de ton Merci. altruisme. Et c'est tout. Je te remercie, toi. Non, c'est moi Excuse-moi. qui te remercie parce que vraiment. Pour cet accueil chaleureux, pour tout ce qu'il y a eu avant, et j'espère tout ce qu'il y aura après. Ah bah Voilà. oui, ça y aura après. C'est mon dernier mot. C'est mon Absolument, dernier mot. bien sûr. Il n'y a pas de souci. Non, vraiment, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté parce que je sais que ce n'était pas forcément facile de venir me voir. Donc, ce que tu as fait, ben, c'est juste super. Moi, je suis Non, très. parce que je suis quelqu'un, comme tu le sais, qui reste assez en retrait. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais bien que je suis souvent dans ma bulle. Mais avec toi, tout a été d'une simplicité incroyable, d'une limpidité folle, et je n'ai pas hésité une seule seconde. Eh Voilà. ben, je te remercie énormément. Grâce à toi, grâce à toi. Moi, j'ai passé un super moment. En tout cas, Moi aussi. j'espère, chers lecteurs, que vous aurez passé un aussi bon moment que moi, aussi émouvant moment que moi, que j'ai passé avec Evie Maz. Je vous conseille très fortement d'aller cliquer sur le lien qu'il y a en dessous pour acheter son livre Box 7, pardon, chez Nombre Et 7. sur ma page auteur aussi. Sur sa page auteur où elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et à vos sollicitations. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette jolie rencontre que j'ai faite avec Evie Maz et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Evie. Merci.